that when that sinner answers for adultery, you don't answer as the guilty one while you presented yourself to him in that fashion. Car je l'ai dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Alors, quand ce pécheur répondra de cet adultère, vous répondrez en tant que coupable, puisque vous vous êtes présenté devant lui dans cette tenue-là. Say, well, Brother Brown, they sell that kind of clothes. That's the only time they sell. They still sell sewing machines. They still got goods. It's a shame to see the way our women of this day. Vous dites, eh bien, frère Branham, c'est ce genre de vêtements qu'on vend. C'est la seule sorte qu'on vend. On vend encore des machines à coudre. On a encore du tissu. C'est honteux de voir l'allure de nos femmes d'aujourd'hui. You Pentecostal women, what a disgrace! And you man, you Pentecostal man, who will let your woman act like that? That shows how much man you really are. You're supposed to be the head of the house. Oh, what a disgrace! Vous, les femmes pentecôtistes, quelle honte! Et vous, les hommes pentecôtistes, vous qui laissez votre femme agir comme ça, ça montre à quel point vous êtes vraiment un homme. Vous êtes censé être le chef de famille. Oh, quelle honte! Is there a lot of your wife smokes cigarettes? What got her into that in the first place? She's wrong in doing it. She's poisoning herself. She's poisoning your children. She's damning the whole family. And a disgrace to the Church of the Living God. Vous dites, eh bien, votre femme fume la cigarette. Qu'est-ce qui l'a entraînée là-dedans au départ? Elle a tort de le faire. Elle s'empoisonne. Elle empoisonne vos enfants. Elle condamne toute la famille. C'est une honte pour l'Église du Dieu vivant. And you let your children, your young girls, get out with these boys. That's getting out here in these modern rock and roll carry-ons. Shame on you, mother and dad. You say, well, they just do what they want to. You still got paddles. Et vous qui laissez vos enfants, vos jeunes filles, sortir avec ces jeunes garçons pour aller dans ces soirées de rock'n'roll moderne. Honte à vous, maman et papa. Vous dites, eh bien, ils font comme bon leur semble. Vous pouvez encore leur donner une fessée. I got two up there, I don't know what they'll be. But if this old man Cram lives long enough, he keeps his right mind. They may go, but they'll be full of blisters while they're there. J'en ai deux là-bas. Je ne sais pas ce qu'elles deviendront. Mais si ce vieil homme, Branham, vit assez longtemps et garde toute sa tête, elles pourraient y aller. Mais elles seront couvertes de cloques pendant qu'elles y sont. It's a disgrace. There are more illegitimate children born in the world today. And America, each year, it produces more illegitimate children than the wars produced in 4 years of killing. Oh, it's a great sign of the end time. It sure is. C'est une honte. Aujourd'hui, en Amérique, on enregistre le plus de naissances d'enfants illégitimes que partout au monde. Chaque année, on enregistre plus d'enfants illégitimes que les guerres n'en ont produit en 4 ans de massacre. Oh, c'est un grand signe de la fin des temps. Ça l'est certainement. Now, I want you to notice, this king, oh, he was a great fellow. Oh, he was a good Arthur Godfrey. Well, all these dirty jokes. And you women, stay at home. Instead of taking your time for prayer meetings on the mornings, you turn on such a rascal as that and listen at him and then call yourself Christian. Maintenant, je voudrais que vous remarquiez ce roi. Oh, c'était un homme populaire. Oh, c'était un bon Arthur Godfrey.
et toutes ces plaisanteries grossières. Et vous, les femmes, qui restez à la maison, au lieu de consacrer votre temps aux réunions de prière du matin, vous allumez la radio pour écouter un tel coquin, et ensuite, vous prétendez être chrétienne. What does he do but lay down there with them curls and things? Well, he's the biggest impediment this nation's ever had. Oh, yeah, he's a real American. If you call that American, it might be a good American, but it's a long ways from Christianity. But you haven't got time for prayer to hear or read the Bible. Now you can see where we're in. Tout ce qu'il fait, c'est ce vautrer-là avec ses jeunes filles et tout. Eh bien, il est la plus grande cause de déshonneur que cette nation ait jamais eue. Oh oui, c'est un vrai Américain. Si vous appelez ça un Américain, c'est... Il est peut-être un bon Américain, mais c'est très loin du christianisme. Mais vous n'avez pas de temps pour la réunion de prière ou pour lire la Bible. Maintenant, voyez-vous où nous en sommes? That were up there at the king that night, if they listened to Daniel, they would have been there. Ces femmes, ces concubines qui étaient là-haut avec le roi ce soir-là, si elles avaient écouté Daniel, elles n'auraient pas été là. But notice, as the party went on, you know, and they all got pretty well warmed up with their good wines and whiskies and beer that they had, and then they said, let's have some fun. Oh yes, this modern Arthur Godfrey wanted to crack fun about the bald-headed preacher or something. Mais remarquez, alors que la fête se déroulait, vous savez, ils se sont bien réchauffés avec les bons vins, les whisky et les bières qu'ils avaient. Puis ils ont dit, amusons-nous. Oh oui, cet Arthur Godfrey moderne voulait tourner en dérision ce prédicateur chauve ou quelque chose, vous savez. So he said, we'll go and get the vessels of the house of their God and we'll just have a little joke. But that isn't a good radio or television gag. I've never seen one. Alors il a dit, nous irons chercher les vases de la maison de leur Dieu et nous allons faire une petite plaisanterie. Si ce n'est pas là le genre de blague qu'on entend à la radio ou à la télévision, je ne sais pas ce que c'est. You see, the man dies, but the spirit lives on. Oh, we'll just tell one about this, that, or the other. And have a good chat. Here I heard the other day on the radio, saying when the saints go marching in ragtime. When I see the blood in Boogie Woogie. What a disgrace! Do you think a holy God can listen to that and be just and not judge it? Vous voyez, l'homme meurt, mais l'esprit continue à vivre. Oh, faisons-en une au sujet de ceci, cela ou autre chose, pour avoir une bonne blague. Eh bien, je les ai entendus l'autre jour à la radio chanter « Quand les saints entreront » sur un air de ragtime. « Quand je verrai le sang » sur un air de boogie-woogie. Quelle honte ! Pensez-vous qu'un Dieu saint peut écouter ça et demeurer juste s'il ne juge pas cela ? We're a great nation. We're the greatest in the world. So were they. But what took place? Mais nous sommes fortifiés. Nous sommes une nation puissante. Nous sommes la plus puissante du monde. Il l'était aussi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Say, go get those vessels and let's have a good time. And they went and got the vessels of the Lord, the holy things, which... You are the vessel of the Lord. You're God's vessel, where he pours in his Holy Spirit. Il a dit, allez chercher ces vases et passons de bons moments. Et ils sont allés chercher les vases de l'Éternel, les choses saintes. En fait, vous êtes le vase de l'Éternel. Vous êtes le vase de Dieu dans lequel il déverse son Saint-Esprit. And they said, let's get some jokes on them. The holy roller. So they goes and gets it and fills up their dishes or their the things with wine. Et ils ont dit, ces exaltés, faisons quelques plaisanteries à leur sujet. Alors
ils sont allés les chercher et ont rempli leurs plats ou leurs ces objets de vin. And then this modern Arthur Godfrey, while the girls were sitting on the soldiers' laps and making whoopee and having a big time and their frolicking going on and maybe a husband home babysitting and maybe a woman at home babysitting and her drunken husband up there. Et cet Arthur Godfrey moderne, pendant que ces jeunes filles étaient assises sur les genoux des soldats et faisaient youpi, se payaient du bon temps et s'amusaient et tout. Et peut-être qu'à la maison, c'était le mari qui faisait le babysitter. Et peut-être qu'à la maison, c'était la femme qui faisait la babysitter, tandis que son mari ivre était là-haut. C'est tout pareil. All this big time, well 45, nothing can bother me. Sure. The greatest nation under the heavens they were. All the great scientists in their realm. Et ils étaient là, à se payer du bon temps, bien fortifiés. Rien ne pouvait les troubler. Bien sûr, ils étaient la nation la plus puissante sous le ciel. Tous les grands scientifiques étaient dans le royaume. All this great war influence was under their control. They were behind the law. So nothing could bother them. They were having a good time. They didn't know that God could look down on them. Tous les matériels de guerre sophistiqués étaient sous leur contrôle. Ils étaient derrière les murailles. Alors rien ne pouvait les troubler. Ils passaient de bons moments. Ils ne savaient pas que d'en haut, Dieu pouvait les regarder. There. If that this modern king with his Elvis Presley jokes and saying they were probably having them a big time, so he said, bring out those holy rollers and let's have some fun. Et là-dedans, ce roi moderne faisait ses plaisanteries à la Elvis Presley. Il chantait et se payait probablement du bon temps. Alors il a dit, fais venir ces exaltés et amusons-nous. So he pours the wine into the vessel, and he was drinking it and saying, oh, that's a good one. All the temple went, yes, that's good. Alors, il verse du vin dans le vase. Il se met à boire et dit, oh, c'en est un bon, ça. Tout le clinquant. Et tous les autres le dire, oui, c'est bon. Just like America today, with some of their rotten gangs, and so forth that they have on television and radio and in their modern, and you people that call yourselves Christians listen to that stuff. Now you can see where we're standing. Tout comme l'Amérique aujourd'hui, avec certaines de leurs sales blagues et tout, qu'ils diffusent à la télévision, à la radio, et dans leur moderne. Et vous, les gens qui prétendent être chrétiens, vous écoutez de telles choses. Maintenant, vous voyez où nous en sommes. You Methodists, Baptists and Presbyterians, you good Pentecostals, something happened to you. Your desires got wrong. Or what's in your heart you'll do. Vous, les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, vous, les bons pentecôtistes, quelque chose vous est arrivé. Vos désirs sont mauvais. Car c'est ce qui est dans votre cœur que vous ferez. You couldn't make, it would be no great surprise to me to see a pig on a manure pile beating, that's his nature. But it would sure surprise me, I never did see and never will see a lamb eat with him. All the nature in him is different. Vous ne pourriez pas faire. Je ne serais pas très surpris de voir un cochon sur un tas de fumier en train de manger. C'est sa nature. Mais je serais certainement surpris. Je n'ai jamais vu et je ne verrai jamais un agneau manger avec lui. Parce que sa nature est différente. You don't see Christians doing those things. The nature of the great Holy Spirit. Amen. Won't let them do those things. The Bible said if you love the world or the
things of the world, the love of God not even in you. Now you can judge yourselves. Are the Word judges you? If you love those things, the love of God's gone from you. Vous ne voyez pas les chrétiens faire ces choses. Leur nature, la nature du grand Saint-Esprit, ne leur permettra pas de faire ces choses. La Bible dit, si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Maintenant, jugez en vous-même, sinon c'est la parole qui vous jugera. Si vous aimez ces choses, c'est que l'amour de Dieu vous a quitté. God has first place or no place. Blessed be his name. I'm so glad of that. I'm so glad that he's pure and holy. We can put confidence in him. He compromises with nothing. He's God and God alone. Soit Dieu occupe la première place, soit il n'a pas de place. Béni soit son nom. J'en suis si heureux. Je suis si heureux qu'il soit pur et saint. Nous pouvons lui faire confiance. Il ne fait de compromis sur rien. Il est Dieu et le seul Dieu. It's not he's not going to come down to us. We got the measure up to him. He ain't going to come to our thoughts. We got the measure to his thoughts. He ain't going to listen to our commandments. We're going to listen to his commandments. Ce n'est pas... Il ne s'abaissera pas à notre niveau. C'est à nous de monter à sa hauteur. Il ne se conformera pas à nos pensées. C'est à nous de nous conformer à ses pensées. Il n'observera pas nos commandements. C'est à nous d'observer ses commandements. But of course, we can do just what we want to. I'll say this with respect. 90% of the pastors I got so weak they won't preach against it. It's a meal ticket to them. Mais évidemment, nous pouvons faire comme bon nous semble. Et je dis ceci avec respect. 90% des pasteurs sont devenus tellement mous qu'ils ne prêchent pas contre cela. Pour eux, c'est juste un gagne-pain. Je préférerais crever de faim, porter des sacs de toile pour couvrir ma nullité et prêcher l'évangile, la vérité, plutôt que d'avoir à manger du poulet frit 3 fois par jour et faire des compromis pour les calmes du diable. What do you think the prophets of the Old Testament would do if they arose today? Look at the condition. Je deviens vieux. J'ai pris position pour cela quand j'étais un jeune homme. Je voudrais m'y tenir avec plus de bravoure maintenant, car je vois que l'heure est proche. Que pensez-vous que les prophètes de l'Ancien Testament feraient s'ils ressuscitaient aujourd'hui? Regardez la situation. And this fellow with his wine bottled up, drinking, had a big time, said, just a minute. All y'all listen to me. Turn your radios on now. The vulgar, dirty, filthy things. That's permitted, uncensored program. Et cet homme, sa bouteille de vin levée, buvait et se payait du bon temps. Il a dit, un instant, vous tous, écoutez-moi tous. Allumez vos radios maintenant. Ces choses vulgaires, sales, dégoûtantes qu'on autorise, ces émissions non censurées. When did it start? Look back to the history. It started back during the days of Claire Bowles. And when this scheming, ungodly Texan went out there and made these women's underneath clothes that made them look sexy. And this began... Quand est-ce que cela a commencé? Regardez dans l'histoire.
Cela a commencé là, à l'époque de Clara Bow. C'est quand cet affairiste, ce Texan impie, s'est mis à produire ces sous-vêtements de femmes qui leur donnent l'air sexy, que ceci a commencé. The first bonder song that it passed was about the ladies rolling down their stockings and showing their pretty knees. They got bonded back! And now it's uncensored, they can say and do what they want. The devil's took the thing without firing a shot. La première chanson vulgaire qu'ils ont autorisée, c'était à propos des dames qui descendaient leurs bas pour montrer leurs jolis genoux. Ils s'en sont tirés avec ça. Et maintenant, ce n'est pas censuré. Ils peuvent dire et faire comme bon leur semble. Le diable a pris la chose très facilement, c'est vrai. Why you think them Hollywood prostitutes in hell that they would do if they could return? They'd make a difference. But their influence over the world has set the world in a frame of corruption. Que pensez-vous que ces prostituées de Hollywood qui sont en enfer aujourd'hui feraient si elles pouvaient revenir? Elles se comporteraient autrement. Mais leur influence sur le monde a entraîné le monde à la passion pour la corruption. Oh, blessed be the name of our Lord! What are the influence of the Christian church to do? Set the world aflame with Christianity. But instead of that, we've got a pattern after them. Christ is our example, and not some Hollywood star or some television star. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Que devrait faire l'influence de l'Église chrétienne? Embraser le monde du feu du christianisme. Mais au lieu de cela, nous cherchons à les imiter. C'est Christ qui est notre exemple, pas une vedette de Hollywood ou une vedette de la télévision. But we're modern. We smoke caramels. And you'll go to hell for doing it! The pictures of the girls out here with cigarettes, beautiful looking women. That's a deceit of the devil. Look at her a few years after she smoked with TV laying on her dying, a wretch. But it's modern to put it before the young people. Mais nous, on est moderne. On fume des palmales. Vous irez en enfer pour l'avoir fait. Ces photos de jeunes filles, là, avec des cigarettes, de belles femmes, c'est une séduction du diable. Regardez-la. Quelques années après qu'elle aura fumé, elle aura contracté la tuberculose. Elle sera couchée là, mourante, misérable. Mais c'est moderne. Ils peuvent afficher ça pour les jeunes. And you put up a picture of divine healing or something, or Christ, they wouldn't permit you to do it. But we're modern. We have to go like the rest of the world. Et si vous affichez une photo de la guérison divine ou quelque chose de Christ, ils ne vous le permettront pas. Mais on est moderne. On doit faire comme le reste du monde. All the great signs appear. The girl signing too is the patch blue ribbons and all of those. What do? They put on those television programs because it's tax-free. The devil has so made it. Tous ces grands panneaux publicitaires de la bière, les Hurtel 92, les Pabst Blue Ribbon et toutes ces choses, qu'est-ce qu'ils font? Ils font passer ça dans ces émissions de télévision parce que c'est exonéré d'impôts. C'est le diable qui a fait qu'il en soit ainsi. Oh, God be merciful! Can't you see, folks, we're at the end of the road! How the devil has gotten in on those things. He's permitted because he knows it's his days is numbered. Oh Dieu, sois miséricordieux. Ne voyez-vous pas, mes amis, que nous sommes au bout du chemin? Comme le diable s'est infiltré dans ces choses. Il a autorisé ça parce qu'il sait que ses jours sont comptés. So this young fellow with his wine glass tipped it to the toast. Oh my, I imagine
All the men want to act like him. See the little boy out in the schools when they have to pull their little overalls down across their hips and let their hair grow out like a bunch of hoodlums. To act like Elvis Presley. Donc, ce jeune homme qui tenait son verre de vin l'a levé pour porter un toast. Oh là là, j'imagine que tous les hommes ont voulu faire comme lui. Vous voyez ces petits garçons dans les écoles qui doivent baisser leurs petites salopettes sur leurs hanches et laisser pousser leurs cheveux comme une bande de voyous pour faire comme Elvis Presley. God bless that dean of that college the other day that said you straighten up and dress like men or you'll get out of this college. That's a real American. He said when they dress like that, they act like that. And that's true. Que Dieu bénisse le doyen de cette université-là, qui a dit l'autre jour, vous allez revenir à l'ordre et vous habiller comme des hommes. Sinon, vous serez exclus de cette université. Voilà un vrai Américain. Il a dit, quand ils s'habillent comme ça, ils agissent comme ça. Et c'est vrai. And when you dress like a prostitute, you act like one. Oh, you have a lot to do with what kind of spirit is in you. Certainly it makes you act what's in you. It makes you dress and act and live. Whatever's in you, it governs you. Certainly. Quand vous vous habillez comme une prostituée, vous agissez comme une prostituée. Oh, vous avez beaucoup à faire, vu le genre d'esprit qui vous anime. Certainement, ça vous fait agir d'après ce qui est en vous. C'est ça qui vous fait vous habiller, agir et vivre. C'est ce qui est en vous qui vous contrôle. Certainement. But now you have this lad come. Oh, how he was just in his great smile. His little shimmy he was going to do before all the people. That isn't a good television program. Wouldn't Hollywood have went for that? Mais là, il a levé son verre. Oh, il a fiché un très large sourire. Il s'apprêtait à exécuter son petit numéro de chimie devant tout le monde. N'est-ce pas là une bonne émission de télévision? Hollywood n'aurait-il pas craqué pour ce numéro? Oh, I'll tell you, he said. Here's what we'll do. You know that bunch of holy rollers we used to have around here? See? And just about the time he started to take the drink, he looked over against the wall. Oh, je vous le dis, dit-il. Voici ce que nous allons faire. Vous connaissez cette bande exaltée qu'on avait par ici? Voyez? Et juste au moment où il allait prendre une gorgée, il a jeté un coup d'œil sur la muraille. You know, in the garden, there was a great candlestick hung up, and there was a plaster on the wall, and the light was reflected against this plaster from the garden. And his eyes bulged out! And he really got all shook up. The Bible said he did. Said that his bones went out of joint, and they beat together. Yes, and some of these days, this nation's going to be all shook up, sure enough. Vous savez, dans ce jardin, un grand chandelier y était suspendu. La muraille était couverte de plâtre et les lumières se reflétaient sur ce plâtre depuis le jardin. Et là, il avait les yeux exorbités. Il était vraiment ébranlé. C'est la Bible qui le dit. Elle dit que ses os se sont désarticulés et se sont heurtés l'un contre l'autre. Oui, et un de ces jours, cette nation va être complètement ébranlée, assurément. Oh, yes. Sure. They said that holy rollers and divine healers at this and the other. What all they are. Just wait. God's just. He'll send the message anyhow. He did it in all other ages. He'll do it now, and he is doing it. And the revival is just about over. Oh oui, bien sûr. Ils ont dit, ces exaltés, ces guérisseurs divins, ceci, cela et autre chose.
tout ce qu'ils sont. Attendez simplement, Dieu est juste. De toute façon, il enverra le message. Il l'a fait dans tous les autres âges. Il le fera maintenant. Il est en train de le faire. Et le réveil est presque terminé. You remember as thus saith the Lord? I said, America made her final decision in 1946. What's since then? She's gone! And there's nothing left but judgment and chaos. Vous vous souvenez, c'était ainsi dit le Seigneur. J'ai dit, l'Amérique a pris sa décision finale en 1946. Regardez bien, depuis lors, elle est fichue et il ne reste plus que le jugement et le chaos. Look what's happening at that time. Just watch it how it's going to keep faster and faster. We're at the end. We're living in the shadows of his coming. Regardez ce qui s'est passé dans ce laps de temps. Observez et vous verrez que ça ira de plus en plus vite. Nous sommes à la fin. Nous vivons dans l'ombre de sa venue. There will be signs in the heavens above, in the earth. Man's heart failing, fear, perplexed at times, distress between the nations. How the people be high-minded, how the daughters of Zion, the church of all, haughty, high-minded, with the way she walked and mixed and twisted as she went. Il y aura des signes en haut dans les cieux et sur la terre. Le cœur des hommes qui défaillit, la peur, la perplexité de ce temps, la détresse parmi les nations. Les hommes seront emportés, enflés d'orgueil. Les filles de Sion, l'Église, seraient hautaines dans leur démarche, enflées d'orgueil. En guise de démarche, elle ira à petits pas en se trémoussant. And the church has been caught in the fight through television, through radio, through Hollywood. There we are. Où en sommes-nous? Nous sommes à la grande soirée de rock'n'roll de Belshazzar. Et l'Église a été emportée par la marée de la télévision, de la radio, de Hollywood. Voilà où nous en sommes. Real Christian women! Bobbing off their hair, wearing makeup on their faces, dressing in the long, dirty clothes, because reprobate people have stolen, there's no harm in it. De vraies femmes chrétiennes qui se coupent les cheveux, qui se maquillent le visage, qui mettent ces saletés de petits vêtements, parce que des gens réprouvés leur ont dit qu'il n'y avait pas de mal à ça. A Christian woman preacher sent a girl down here that looked like she's poured into her clothes. She said, oh, brother Branham, you're from the old school. Our pastor liberates women. I said, liberate them from what? They're liberating them from Christ and common decency. Une chrétienne, une femme prédicateur, envoyait une jeune fille ici l'autre jour. On aurait dit qu'elle avait été moulée dans ses vêtements. Elle a dit, « Oh, frère Branham, vous êtes de la vieille école. Notre pasteur libère les femmes. » J'ai dit, « Il les libère de quoi ? » ?»« Il les libère de Christ et de la décence. » Oh, very famous the woman is, certainly. Anything that does that, the child of hell. Father, preach, you shall know them. What a day we are living in. Oh, cette femme est très célèbre, certainement. Mais quiconque fait cela est un enfant de la géhenne. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Quel jour que celui où nous vivons. Sure, I don't really know what it says, how, what kind of clothes you wear and so forth. But woman, do you realize what you're doing? You're making yourself a sex mark. And every old scallywag rascally comes by. Liberation. It shows what spirit is in you. You want to get free from church, free from Christ, free from the Holy Spirit, so you can live like the rest of them.
Bien sûr, je ne crois pas. C'est pas s'il est question de comment, de quel genre de vêtements vous portez et tout. Mais, femme, vous rendez-vous compte de ce que vous faites? Vous devenez une cible sexuelle pour chaque chenapan, chaque coquin qui passe. Mais vous voulez la liberté. Cela montre l'esprit qui vous anime. Vous voulez vous libérer de l'Église, vous libérer de Christ, vous libérer du Saint-Esprit, afin de vivre comme les autres. That don't exclude the brand tabernacle. That includes the brand tabernacle. All have sinned and come short of the glory of God. Here we are. Le Branham Tabernacle n'en est pas exclu. Cela inclut le Branham Tabernacle. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà où nous en sommes. Oh, what a day, what a time. And he's all shook up. And he looked. And over against the wall, there was a part of a man's hand. It was writing on the wall. Oh, quel jour, quel temps! Il était complètement ébranlé. Il a regardé, et là, sur la muraille, il y avait une extrémité de la main d'un homme. Elle écrivait sur la muraille, « Mene, Mene, Tekel, Upharsin. » Oh, all of them begin to watch this modern doctrine. Had so much popularity. What's the matter with him? He's all shook up, sure enough. He's standing. Here the Bible said his knees were beaten together. And something had happened. Oh, ils se sont tous mis à observer ce Godfrey moderne qui avait tant de popularité. Qu'est-ce qu'il a? Il est complètement ébranlé, ça c'est sûr. Il est debout. La Bible dit, ses genoux se heurtaient l'un contre l'autre. Quelque chose était arrivé. What? He couldn't understand it. He thought no one could get to him. But God can get to you. No matter where you are, he knows you. He knows your works. Quoi? Il n'arrivait pas à comprendre. Il pensait que personne ne pouvait l'atteindre. Mais Dieu peut vous atteindre où que vous soyez. Il vous connaît. Il connaît vos œuvres. So he says there's only one thing to do. That's call the pastor. So he went and got the pastor and the cardinal, the archbishop and the popes of his church. And he brought them all in. He said, what does this mean? Alors il a dit, il n'y a qu'une chose à faire. C'est d'appeler le pasteur. Alors, il est allé chercher le pasteur, le cardinal, l'archevêque et les papes de son église. Il les a tous fait venir. Il a dit, que signifie ceci? Now you're going to see a modern American. They never know nothing about the supernatural. So they couldn't understand it. Blessed be the name of the Lord, could you... Now then, if they call the spirit of the living God a fortune teller or a devil. Maintenant, vous allez voir l'Amérique moderne. Ils n'avaient jamais rien su du surnaturel. Alors, ils ne pouvaient pas comprendre cela. Béni soit le nom du Seigneur. Douteriez-vous donc qu'ils aient taxé l'esprit du Dieu vivant de 10 heures de bonne aventure? Ou de démons? They know nothing about the supernatural. They're all wrapped up in their denomination. They know nothing of it. They say, oh, that's just a little telepathy. But their handwriting's on the wall. Ils ne savent rien du surnaturel. Ils sont tous embobinés par leur dénomination. Ils n'en savent rien. Ils disent, oh, c'est seulement un peu de télépathie mentale. Mais l'écriture est sur la muraille. He did that sign before the Jews, the clothing of theirs. He did it before the Samaritans.
but not the Gentiles. Why? He had to wait till the Amorites fierce to heat them. Il avait opéré ce signe devant les Juifs à la fin de leur âge. Il a opéré devant les Samaritains, mais pas devant les nations. Pourquoi? Il a dû attendre que les péchés des Amoréens s'amoncellent. Now the handwriting on the wall for us. What are they doing? Are they listening to it? No, sir. They're just going ahead with Arthur Godfrey, Elvis Presley, Pat Boone, and all the rest of them. Modern! Young folks, teenage. Violence. That's the same thing it was there! Maintenant, l'écriture est sur la muraille pour nous. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils y prêtent attention? Non, monsieur. Ils vont simplement de l'avant avec Arthur Godfrey, Elvis Presley, Pat Boone et tous les autres. Les jeunes gens modernes, l'adolescence, la violence, c'est la même chose qui se faisait là-bas. Exactement. And you brought in all the pastors and they said, well, we don't know that, sir. Maybe a sheriff somewhere. Et il a fait venir tous les pasteurs et ils ont dit, eh bien, nous ne savons pas ce que c'est. C'est peut-être une ombre quelque part. The king had better sense than that. And he said, I'll give any man a part of my kingdom and I'll clothe him and I'll put a gold chain on his neck if he can interpret that. But they didn't have the gift of interpretation. They know nothing about it. They believe the days of miracles were past. Le roi avait plus de bon sens que ça. Il a dit, je donnerai à tout homme une partie de mon royaume. Je le revêtirai et je lui mettrai un collier d'or au cou, s'il peut interpréter ça. Mais il n'avait pas le don d'interprétation. Il n'en savait rien. Il croyait que les jours des miracles étaient passés. Isn't that our modern preachers? Isn't that our general overseers, our bishops? They know nothing about the supernatural. That's the reason they can call the spirit of the living God an act of put up. God be merciful to an adulterous and filthy generation perishing from the face of the earth. N'est-ce pas là nos prédicateurs modernes? N'est-ce pas là nos surveillants généraux, nos évêques? Ils ne savent rien du surnaturel. Voilà pourquoi ils ont pu taxer l'esprit du Dieu vivant de jeu de rôle, de mise en scène. Ô Dieu, sois miséricordieux envers cette génération adultère et souillée qui est en train de disparaître de la face de la terre. He's still knocking his knees together. There was something wrong. He knew there was something wrong. Oh, there was a supernatural sign. How did it get in here? Where did it come from? It come from above. It come down where there was no walls. It could come in. Il était là. Ses genoux continuaient à se heurter l'un contre l'autre. Il y avait quelque chose qui clochait. Il savait qu'il y avait quelque chose qui clochait. Oh, il y avait un signe surnaturel. Comment cela est-il entré ici? D'où cela est-il venu? C'est venu d'en haut. C'est venu de là où il n'y a pas de muraille. Cela a pu entrer. And today, we rock and roll. We tap our children to television and uncensored programs. We love. Floors and our tables become full of old, dirty, sexy love stories and instead of the word of God. Et aujourd'hui, nous avons dansé le rock and roll. Nous avons tourné nos enfants vers des chaînes de télévision et des émissions non censurées. Nous avons laissé nos tables et tout se remplir de sales histoires d'amour et de sexe au lieu de la parole de Dieu. There isn't a kid in this city. But what knows more about Arthur Godfrey, or Elvis Presley, or Pat Boone, or David Crockett than they do know about Jesus Christ.
Il n'y a pas un enfant dans cette ville qui n'en sache pas plus long sur Arthur Godfrey, ou sur Elvis Presley, ou sur Pat Boone, ou sur David Crockett, qu'ils en savent sur Jésus-Christ. C'est direct, mais oh, comme c'est vrai. No wonder there's a body for waste. And what does the pastor say? They don't know what the cause of it. They are the cause of it. And there he was standing, so was Belton Sager, cause of it. Letting his kingdom get such a place. Ce n'est pas étonnant qu'il y ait cette apostasie. Et qu'en savent les pasteurs? Ils ne savent pas quelle en est la cause. Ce sont eux qui en sont la cause. Et il était là, debout. C'est donc Belshazzar qui en était la cause, pour avoir laissé son royaume se retrouver dans cette situation. And today, in all this stuff that we're going through, we thought we were fortified. We think we're the best and greatest nation on earth. We got all the science here. And little did Belshazzar know that he didn't have all the scientists. Et aujourd'hui, dans toute cette situation que nous traversons, on se dit qu'on est fortifié. On se dit, nous sommes la meilleure nation, la plus puissante de la terre. Nous avons toute la science ici. Et Belshazzar était bien loin de se douter qu'il n'était pas le seul à avoir des scientifiques. There was a nation called the Medes and Persians. They've got some scientific work too. Which is now the Medo-Persians are the Indians. The Hindus. In India, my brother just spoke. They finally wound up in India as the Hindus. Medo-Persians. Il y avait une nation appelée les Mèdes et les Perses. Eux aussi, ils avaient quelques œuvres scientifiques. Aujourd'hui, ce sont les Mèdes et les Perses, ou les Indiens, les Hindous en Inde. Comme notre frère vient de le dire, ils ont fini par se retrouver en Inde sous le nom des Hindous, ces Médo-Perses. And they scientifically found a way that they could bypass the river Euphrates. They couldn't get through the walls, but they bypassed the river and was coming under the gates. Science is working somewhere. Grâce à la science, ils avaient trouvé le moyen de contourner le fleuve Euphrate. Ils ne pouvaient pas percer les murailles, mais ils avaient contourné le fleuve et ils étaient passés en dessous des portes. La science est à l'œuvre quelque part. A great ungodly heathen nation at that time. And God put a sign on the wall to let them know that their days were finished. God's put a sign on our wall. And our great rock and roll party, and there's a splendid flying through the skies. C'était une puissante nation païenne et impie à l'époque, et Dieu avait tracé un signe sur la muraille pour leur faire savoir que leur jour était fini. Et Dieu a tracé un signe sur notre muraille, alors que nous prenons part à notre grande soirée de rock and roll. Il y a un Sputnik qui vole dans les cieux. Oh, we thought we had all, didn't we? We thought we know it all. But Russia, according to our own science, is 5 years ahead of us. And when we're caught up in 5 years, they'll be 10 years far the other way. Oh, on pensait qu'on avait tout, n'est-ce pas? On pensait qu'on savait tout. Mais selon notre propre science, la Russie a 5 ans d'avance sur nous. Et quand nous serons à jour dans 5 ans, eux, ils auront 10 ans d'avance dans un autre domaine. God's letting an ungodly nation, letting an ungodly people, the tough those Jewish scientists up there, and they're far ahead of us. We're putting our time to wine, waiting a good time, and they're working day and night. How to blow us up. There's not one thing that can keep them from doing it right now. Dieu est en train de favoriser une nation impie. Il est en train de favoriser un peuple impie qui a récupéré ses scientifiques juifs là-bas. Et il nous dépasse de loin. Nous consacrons notre temps aux vins, aux femmes, à nous payer du bon temps.
Et eux, ils travaillent jour et nuit sur des moyens de nous faire voler en éclats. Il n'y a rien qui puisse les empêcher de le faire maintenant même. Look at the condition we're in. The whole nation. You remember that army officer? Brother Roberts and I were talking yesterday. They interviewed him on the great scientist and said, I don't want you to scare the people. But I want you to tell us the truth. Is there danger? At any minute it could happen. The only thing we're just bluffing one another. Regardez la situation dans laquelle nous sommes, la nation tout entière. Vous vous souvenez de cet officier de l'armée? Frère Robertson et moi parlions hier. Un des éminents scientifiques a eu un entretien avec lui. Il a dit, « Je ne veux pas que vous effrayiez les gens, mais je veux que vous nous disiez la vérité. Y a-t-il un danger? Ça pourrait arriver à tout moment. La seule chose, c'est que nous ne faisons que nous bluffer les uns les autres. We started our own missile up, it fizzled out. 3 foot off the ground, now we put another one up, it's fizzling out. Wow, we poisoned our minds with cigarettes, with women, with whiskey, with big time, and displeased the God of heaven. And the scripture predicts that Russia will do it. Nous avions lancé notre petit missile, et il s'est éteint. À moins d'un mètre du sol. Maintenant, nous en avons lancé un autre, et il est en train de s'éteindre. Pourquoi? Nous avons empoisonné nos esprits avec des cigarettes, des femmes, du whisky. Nous nous sommes payés du bon temps, et cela a déplu au Dieu du ciel. Et l'Écriture prédit que la Russie le fera. Where are we at? We're at the end. Every nation is scared to death. I believe if they could set a missile right now and destroy the whole nation, and one 5 minutes, and he will become nothing but powder. And back to the gases that you were in the beginning. They can do it. Où en sommes-nous? Nous sommes à la fin. Toutes les nations sont complètement paniquées. Je crois qu'il pourrait lancer un missile en ce moment et détruire toute la nation. En 5 minutes, elle serait réduite en poussière et vous retourneriez à l'état gazeux comme vous l'étiez au commencement. Ils peuvent le faire. Oh, we had a rock and roll party. We forgot God. We went too much for television, too much for the world. And they've been preparing all the time. Just like the needs of Persians. And now the supernatural has come. And the handwriting is on the wall. Not on the wall, but in the sky. Oh, nous avons eu une soirée de rock'n'roll. Nous avons oublié Dieu. Nous nous sommes livrés à la télévision, aux choses du monde. Et eux, entre-temps, ils se préparent. Tout comme les Mèdes et les Perses. Et maintenant, le surnaturel est venu. Et l'Écriture est sur la muraille, pas sur la muraille, mais dans le ciel. And now we're all shook up. Oh yes, our modern science is shook up. Our nation shook up. It can happen before this service closes. Et maintenant, on est complètement ébranlé. Oh oui, notre science moderne est ébranlée. Notre nation est ébranlée. Ça peut arriver avant la fin de ce service. But I want you to notice another. I want you to remember that while they were still in that condition, under that drunken stew, there was a little queen. She hadn't been at the rock and roll party. She must have been out reading Daniel's prophecy. She wasn't indulging in their sin. Mais je veux que vous remarquiez autre chose. Je veux que vous vous souveniez que pendant qu'ils étaient encore dans cet état d'ivresse, il y avait une petite reine. Elle n'avait pas assisté à la soirée de rock'n'roll. Elle devait être ailleurs, en train de lire la prophétie de Daniel. Elle n'était pas là à se livrer à leurs péchés. When the king didn't know what to do, she come running in and she said, Oh, king, live forever.
I know you're all shook up, you're all bothered. Et elle est entrée au courant, alors que le roi ne savait pas quoi faire. Elle est entrée au courant. Elle a dit, « Ô roi, vis à jamais. Je sais que tu es complètement ébranlé. Tu es tout troublé. » Your pope